C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Donc le film du jour s'intitule Manglehorn. Donc c'est le dernier film avec l'un des derniers géants d'Hollywood, l'un des. Il fait partie du trio de tête des meilleurs acteurs de tous les temps. J'ai nommé Al Pacino qui se maintient encore en forme, enfin de ce qu'il en reste de sa forme, parce qu'à l'heure où je te parle, il est pas loin d'avoir 75 ans ou 76. C'est soit l'un, soit l'autre. En tout cas, il a dépassé le cap des 70 ans. Moi, je suis un très très grand fan de Al Pacino, tu vois, donc je sais même pas si. Quand je fais mes chroniques sur des films dont il est le protagoniste originel, je suis objectif parce que je suis vraiment un très très grand fan. C'est un très grand acteur, il a un nombre incalculable de méga classiques et de films cultes, et il a une filmographie longue comme ma bite. Je sais pas, moi, Scarface, L'Impasse, Heat. L'enfer du dimanche, ouais, le truc avec Jamie Foxx réalisé par Oliver Stone, j'ai oublié le titre, je crois, c'est ça. Le titre en anglais, c'est Any Given Sunday. Il a fait quoi encore? Les parrains, Impasse, Scarface, l'avocat du diable, ou je sais plus, c'était l'avocat ou l'associé du diable, Serpico. Il a fait bon, hein, une flopée de classiques et de films cultes. Acteur oscarisé pour Le temps d'un week-end. Donc voilà, c'est un acteur de renom, acteur, réalisateur, metteur en scène. Voilà, en plus de ça, il a différentes skills à son palmarès, à son actif. Moi, de toute façon, quoi qu'il arrive, quel que soit le film de Al Pacino qui sortira dans les années à venir, j'irai toujours voir Al Pacino performer. Tu vois, on a la chance de voir encore cette légende en activité. Voilà, à ma connaissance, sur les 5 ou 6 dernières années, où j'ai jamais raté un Al Pacino. C'est un moment incontournable. Dernièrement, le mois dernier, ouais, c'était le mois dernier, il avait sorti un film qui s'appelait The Humbling. Donc, une fois n'est pas coutume, Vantard s'est précipité dans les salles obscures pour aller voir Al Pacino performer. Malheureusement, le film était littéralement dégueulasse et je peux te dire que je l'ai traité. Bon, je remettais pas en cause la performance de Al Pacino, malgré quelques trucs qui m'ont pas spécialement plu, mais le film était littéralement dégueulasse. Concernant Manglehorn, je sais plus si c'est ça. Bon, c'est dimanche, hein, je suis un peu fatigué. En tout cas, c'est le dernier film d'Al Pacino. Mon avis sur le film, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, c'est mignonnet. Si tu me passes l'expression Jean-François, si tu me passes l'expression Norbert, c'est mignonnet. Donc le pitch du film, Al Pacino joue le rôle d'un serrurier solitaire qui a connu la perte d'un amour, il n'a plus foi en la vie, il n'a plus foi en la vie, il est renfermé sur lui-même, il est solitaire et compagnie, il est grognon, il est bougon. Et au fil du film, il va reprendre goût à la vie. C'est un film de rédemption, c'est un film d'amour, c'est un film de voilà, plein de bons sentiments. Et malgré des critiques où je disais oui, le film n'est jamais mièvre, ça tombe pas dans le pathos, dans le mélo et compagnie. Pour le coup, pour l'avoir vu, des fois, ils vont quand même aller titiller et chercher la larme à la ménagère de moins de 50 ans. Des fois, j'ai trouvé que c'était un petit peu trop dans la guimauve et un petit peu dans le marshmallow. Après, voilà, et le film a été réalisé par David Gordon Green, si je te raconte pas de conneries, et c'est lui qui avait réhabilité l'année dernière, il me semble, Nicolas Cage dans le film Joe. Voilà, c'est un petit peu des films un petit peu similaires sur des personnages voilà, vieillissants qui s'accrochent, des illusions, déceptions, tatati tatata. Donc voilà, au fil du film, Al Pacino va reprendre goût à la vie. Il va régler ses comptes avec son fils, il va voilà. Donc c'est un film d'espoir, c'est un film d'amour, c'est un film de patience, c'est un film de rédemption.
Comme à son habitude, Al Pacino performe, t'as vu, voilà, toujours impeccable. Après, il y a quelques petites longueurs de ci, de là, il y a quelques petits moments, passages, Marshmallow, Guimauve qui m'ont un petit peu gavé. Donc voilà, mon opinion finale et définitive, c'est pas trop mal. C'est mignonnet, c'est sympathique. Moi, je recommanderais éventuellement ce film aux inconditionnels de Al Pacino comme Vantard. Après, c'est pas spécialement le film de l'année. Et si tu l'as raté, que dans 2 ans, il passe sur la TNT, tu vois ce que je veux dire? C'est pas un film, tu te fais waouh! Le film qui va te transcender, que tu auras envie de voir 5 fois d'affilée ou que sais-je. Donc voilà, c'est pas mal, c'est mignonnet, c'est sympathique. Voilà, la BO est pas trop mal, il y a des trucs plaisants. Mais c'est pas une dinguerie quand même, voilà. Et à noter au casting, Helen Hunt, voilà, qui est une vétérante du game, je sais pas quel âge elle a. Ça va, elle a pas trop mal vieilli, mais elle est quand même aussi pareille en fin de course, en fin de carrière. Donc voilà, c'est sorti cette semaine, ça s'appelle Monglehorn. C'est pas trop mal, c'est sympatoche, c'est mignonnet, mais après ça casse pas des briques, voilà. Je connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si t'as la vie de Vantard, c'est toujours le bon. It's always the motherfucking good choice. C'était ton gars Vantard, peace and love.